accès seulement. Ça va, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand elle arrive, ça devait voir, ça me suffit déjà. Elle me suffit déjà. Et on s'est séparés, chacun s'est séparé, chacun est parti chez lui, chez lui tombé. Ça va, c'est comme ça. Le lendemain matin, moi, j'étais allé voir sa tante maternelle. Ça dit, une soeur là-bas, ma femme à moi. Ça va. Elle est partie la voir et je lui ai raconté le problème. Et c'est comme ça. Elle m'a suivi pour venir à la maison, puisque je lui ai dit quoi, il faut qu'elle interroge sa petite fille. Sa fille, qu'elle interroge peut-être de quoi, peut-être qu'elle aura peur d'elle et dit la vérité. Et de l'influencer aussi par quoi, par un serment, un serment de la Bible, de faire un serment de quoi, d'attester de quoi, qu'elle est du nombre, qu'elle est du nombre des véridiques. Ça va et que si elle n'est pas de nom des véridiques, que la malédiction ça va sur elle. Donc on avait dit tout ça, mais on avait opté pourquoi, pour que ce soit juste pour l'intimider, pour lui faire peur. Pour lui faire peur, ça va, c'est comme ça, qu'on ne fait pas sortir quoi, la Bible, comme ça, pour qu'elle n'a pas su ça. Donc c'est ce qui était décidé et on lui a dit ça et puis elle est venue. Sa tante était là, ma femme était là et aussi le voisin du quartier là. Monsieur de Souza lui-même, il était là. Parce que le jour, le truc s'est passé, c'est-à-dire, ce jour-là, lui n'était pas là, il était absent. Mais il savait quoi, la nuit là, la nuit profonde, lui, elle est revenue. Elle est revenue très tardivement la nuit, c'est comme ça. Donc, on est bon, il était là. C'est le lendemain, là, on a tenu une réunion chez moi. Ça va, c'est comme ça. Donc, lui aussi, il était là. Et puis, il a dit, Sa tante la soeur à sa maman, elle était là, sa maman était là, ma mère était présente, ce monsieur-là, monsieur Moussouda était là, et aussi sa fille, la voisine, c'est elle qui, elle s'appelle Nadège, c'est elle qui fait quoi, c'est elle qui aidait sa maman, quand sa maman la cherchait dans les environs, dans les quartiers, ça va, c'est comme ça. Donc, nous étions de tout cela, et puis, on a dit, si c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est vrai, on a dit, ok, on va te faire chier sur la Bible. La Bible et les conséquences, la Bible et les conséquences. Mais on n'a pas fait sortir la Bible comme ça. La Bible et les conséquences, ça signifie ça, tu peux aimer beaucoup, tu peux bénir ça. On l'a averti de tout ça, ça va, c'est comme ça. Elle a toujours dit la même chose. Elle a toujours dit la même chose et c'est comme ça. Et voilà, comme on se l'a dit, c'était juste pour intimider, mais on n'a pas fait sortir la Bible. Ça va, c'est comme ça. Et c'était comme ça. Ça sonnait, c'est 14h comme ça. Comme ça, et la réunion s'est terminée. Chacun est parti chez eux. Bon, du moins, c'est le voisin du quartier là. Monsieur de Souza et sa fille, ils étaient rentrés chez eux. Donc, ils restaient nous. Moi, sa maman et sa tante. Elle était allée à l'école, donc peut-être on l'a libérée. On l'a libérée et puis elle est partie à l'école et nous on avait continué en sortant quoi, la réunion. Ça va, c'est comme ça. Il est 14h comme ça, la réunion est achevée. Chacun, les voisins sont partis chez eux. Ça va, c'est comme ça.